Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission, l'émission dans laquelle on expose très simplement et en très peu de temps un thème juridique. Et aujourd'hui, un thème qu'on connaît tous, les factures. C'est simple, tout le monde sait comment c'est fait une facture parce qu'il en reçoit très souvent. Ça, c'est vrai. Et à mon avis, on les regarde, mais on regarde qu'une chose, c'est le prix à payer, souvent pas autre chose. Et en fait, pour un commerçant, il y a des obligations. Déjà, à 1500 euros avec un particulier, il doit y avoir une facture. Mais il y a des conditions, il y a des termes, il y a la TVA, etc. On le sait, tout ça, il y a plein de choses à mettre. Mais souvent, ce dont on ne rend pas compte, c'est qu'une facture renferme des clauses générales. Comment ça? Quelle clause générale? Tourne-t-on souvent la facture pour voir quelles sont les conditions générales? On a effectivement, on va chez un vendeur, il y a une facture, on signe, on est content, on part avec le produit, et puis hop, on fait tomber la feuille, qu'est-ce qu'on voit? Des conditions générales. En général, on essaie de les lire, mais elles sont tellement écrites en petit, eh bien qu'on n'y parvient pas. Alors la question qui se pose, une fois qu'on a réussi à les lire, c'est est-ce qu'elles sont opposables? Parce que, au final, demain, lorsqu'il y a un litige donc, avec le vendeur, et qu'on vient avec sa facture, on dit hop, on tourne, regardez monsieur, condition générale du contrat, parce que finalement la facture vaut contrat, il y a tous les termes, etc., etc., et vous avez signé, eh bien, cher monsieur, ça s'applique. Ah oui, mais moi monsieur, je n'étais pas au courant. Qu'en est-il? Eh bien, d'abord, toute facture n'est pas forcément un contrat. Il faut encore que celle-ci soit dans des termes particuliers pour qu'on puisse considérer que ce soit contractuel. Mais c'est vrai que souvent, on a un petit peu une ambiguïté sur ces documents contractuels et souvent, effectivement, des conditions générales au dos. Alors, la loi prévoit quoi concrètement? Il faut que ce soit écrit d'une façon suffisamment grosse, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, à mon avis, au moment où on reçoit donc, la facture, même s'il les a vues. Parce qu'on peut très bien, le plus souvent, un week-end, aller acheter quelque chose, pas avoir ses lunettes. Non mais c'est vrai! On vient, je pense que lorsqu'on va à la plage, par exemple, et qu'on est intéressé par un produit, on n'a pas forcément ses lunettes avec soi, donc on ne les voit pas. Mais par contre, pour être opposable, il faut qu'elles aient été signées. Alors, deux façons. Soit elles ont été signées parce que sur la page en question, il y a une mention indiquée « J'ai pris connaissance expressément des conditions générales figurant au dos » et que l'on signe, auquel cas, ben, on est censé avoir pris connaissance. Il faut faire attention avec cela parce que souvent, on signe quelque chose, on ne regarde pas. Mais là, ça veut dire qu'on a pris connaissance. Soit au dos, on a des conditions générales ou des conditions générales à part, ça peut arriver, c'est plus rare à mon sens. Et celles-ci, on les signe. Et là, elles sont opposables. Mais dès lors que ces conditions générales ne sont pas mentionnées d'une façon, d'une part assez claire, assez, en assez gros caractère, mais aussi qu'elles ne sont pas signées, ou du moins qu'il n'y a rien qui démontre qu'on les a eues, eh bien dans ces cas-là, elles ne sont pas opposables entre un commerçant et un particulier. Entre les commerçants, les choses sont un peu différentes parce que ce sont des professionnels. On peut considérer, et c'est la jurisprudence qui le fixe, que si justement un contrat est exécuté depuis des années, avec des conditions générales qui semblent en tout cas s'être appliquées depuis des années, mais qu'il n'y a pas de signature, eh bien le commerçant était forcément informé de ces conditions générales. Ainsi s'achève votre émission, Passons mon avocat, et je vous dis à bientôt.